Avant de penser, je suis. Quelqu'un a dit, la science, la médecine et les mathématiques, ce sont des nobles aspirations. Mais l'amour, la poésie et l'aventure, c'est pourquoi nous vivons. Je me demande s'il y a de vérité plus grande que celle-là. Les contes, l'islam et pour tout dire le quotidien antique de nos anciens, c'est ce qui nous soutient à toute épreuve. D'où la mission de Ringana devient la transposition du contexte ancien sur le contexte moderne. C'est autrement la déportation de nos campagnes vers les villes modernes. Vous me faites commencer mon histoire alors que mes tout petits ne sont pas là. Ringana n'invente rien, ni moins encore tous nos slameurs modernes. Tous, nous ne reprenons que ce vieux chemin que les autres avaient déjà pris. C'est autrement un hommage que chaque scène de la compagnie leur témoigne. Ce sont des noms qu'on oublie mais qui vibrent encore intensément dans nos mémoires. Lisangom Pagal, Mandeng Mangombon, Mejomesom Jacob, Assom Gonella ou encore Amadou Ampatemba et les autres que je ne peux citer. Ouvrez bien les yeux et regardez mes chansons. Et surtout, chantez avec moi cette chanson pour que vous ne dormiez pas. Qu'importe si aujourd'hui on parle des Gaulois ou des esclaves noirs, les faits nous intéressent moins que les symboles qu'ils véhiculent. Charlie Patton ou encore Blind Lennon de Pascal Okwakanza ou de Francis Cabrel. Hier, c'était des pauvres diables, mais aujourd'hui, ce sont des héros. Sans eux, on n'aura rien à dire et à égayer nos quotidiens qui seraient alors insipides et mornes. C'est le travail que nous essayons d'accomplir au niveau de Ringana. Prendre le passé pour en faire le beau qui allume la volonté de vivre, qui allume le plaisir, la joie et l'amour. Au-delà de tous les aspects qu'on évoque et évoquera demain ou après, il reste à définir le travail de la compagnie comme étant une volonté de reconstitution de cette autre école traditionnelle reléguée aujourd'hui au rang des accessoires. Quand même, elle a son mot à dire dans la société actuelle. La force de la fascination des contes et des proverbes sont un appui considérable à l'encadrement des jeunes scolaires et de nos cadets qui ont perdu depuis longtemps le fil de notre histoire. Assalamu alaikum. Yes. Non, je n'y vais pas. Assalamu alaikum. Yes. Et toutes les saisons, les bruits de qui va être le champ. Et il n'y a rien de cette saison-là. Il est passé le temps à se manger des concombres. Oui, Toby. Du manioc. Du macabre de l'autre côté. Cette saison passa. Et la deuxième saison, c'était la même chose. Mais, ma grandeur, les bourrées ont encore recommencé. Et ma lélé. Mais tu penses que ton gros champ là, moi, je peux le surveiller? Cette éducation se poursuit à travers les instruments retrouvés sur la scène et qui comportent déjà divers messages avec chacun qui est le vecteur de son propre message au-delà du rendu qu'il peut nous offrir. Le langage de tam-tam par exemple qui a deux dimensions, à savoir la dimension de face qui est claire et la dimension de derrière qui est toujours cachée.
qui nécessite une initiation particulière pour celui qui veut se l'approprier. C'est tout aussi le cas du Mvet ou alors du Wodou. Si je dois dans mes résumés, je dirais que la compagnie Ringana est un concept qui puise ses matériaux dans nos mœurs bantous et sahéliens. À travers le programme de contes et musique initié par Calvin Hugh et son collectif, la scène prend une coloration réelle et va au-delà du mode individualiste de la présentation courante du conte. Il s'agit d'un mode trifonctionnel où on retrouve le module tel que le verbe, le théâtre, la mélodie. Alors, à Salamouille, yeah. Mandolo, avec un seul
Mouaoutadji. C'était sa deuxième femme. Mouaoutadji. Pour moi, c'est pas du nouveau, surtout avec la compagnie. C'est toujours avec plaisir que je vois la compagnie. Et ce qui me plaît beaucoup, vraiment avec eux, je me sens, ça me rappelle mon enfance, ma petite tendre enfance, me revoir au village. Et en plus, chaque fois que je vais à la rencontre avec la compagnie, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et j'adore ça. Et je dis beaucoup de courage à la compagnie. Je trouvais ça très bien. Avec un vrai rythme, l'idée de commencer par des chants, j'ai trouvé justement que ça, c'était une manière assez dynamique et gaie de commencer. Et puis j'ai trouvé le conteur lui-même vraiment intéressant. Il est important pour nous de se réunir de temps en temps autour d'une table ronde, histoire de ressasser des souvenirs. Souvenirs de nos aïeux, c'est très bien pour l'enfant, ça éveille l'enfant, aussi bien intellectuellement que sur le plan scolaire, évidemment. Le tout présenté par un conteur principal, par des musiciens, des danseuses qui incarnent le rôle de la femme dans la société traditionnelle. Une fois le décor planté, la scène peut donc démarrer par la trame de l'histoire qui est scrupuleusement respectée, où on retrouve aussi les étapes, la progression et la symbolique. Toutefois, des variantes sont faites sur les points secondaires pour embellir, abréger ou développer certaines articulations selon la réceptivité de l'auditoire. Ils trouvaient que la maison était devenue trop étroite, il y avait trop de choses à la maison, il fallait les vider. Ils trouvaient que ceci était devenu cela. Ils trouvaient que cela était devenu ceci. Et il se mit donc à bastonner Kumba. Et il lui dit, femme, rassemble tes choses, tes effets, et rentre chez tes parents. Ouvrez bien les yeux. Et la musique donc dans le background, c'est la musique bantoue, avec des musiciens et des chanteurs qui explorent les mélanges, les équilibres et les jeux de fusion entre des instruments modernes et contemporains, dans des rythmes folkloriques tels que le makune, le ngumba, l'ambasbe, le bolbo, le sewe, le bikuti et bien d'autres encore qui sont respectivement des musiques de réjouissance bassa, peul, sawa et beti. Di bunuve buku nambi kwana vunkang badide badi manuwa wumsang undundo bien bon avem 7 avanku yegele yegele ya koko yegele 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 ya koko yegele 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 ya koko yegele yegele. Yigele yigele ya koko yigele yigele me sambol ba me mete me yeki de dali bagje mi I don't want to change my identity. I am an African and I'm proud of it. Yigele 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 ya koko yigele 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 ya koko yigele yigele. Yigele yigele ya koko yigele 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 ya koko yigele yigele.